Salut à tous! Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. C'est simple et gratuit. Cliquez sur la cloche en bas pour ne pas manquer d'autres vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis venue partager avec vous une recette pintade farci et rôti au four. Pour commencer, je déballe ma pintade décongelée, frais. Ensuite, première étape, saumurer la pintade avant la cuisson. Dans un chaudron rempli d'eau froide, ajoutez la pintade, du sel, vinaigre blanc, l'ail pilé, poivron en grains, clou de girofle, thym frais, tranche de citron, sucre brun, jus orange sûr, piment fort légèrement perforé. Ensuite, mélangez tous les épices et herbes avec la pintade pour faire fondre le sucre dans l'eau de saumure. Ensuite, couvrez le chaudron, laisse la pintade dans la saumure environ une heure. Après une heure, enlève la pintade dans l'eau de saumure. Petite note, le saumure donne plus de goût à la viande. Ensuite, rincez sous l'eau froide. Ensuite, sortir la pintade, assécher la volaille avec un essuie-tout afin d'enlever le surplus d'eau. Maintenant, épicez la volaille avec une purée épices haïtienne. Ajoutez 2 cuillères à soupe l'huile d'olive. Ajoutez poivre moulu, sel. Bien mélanger les épices ensemble. Ensuite, badigeonnez l'intérieur et l'extérieur de la volaille. Ensuite, attachez les deux cuisses ensemble. Farcir l'intérieur de la volaille avec un demi-oignon coupé en deux, gousse d'ail, un piment fort piqué avec des clous de girofle, un bouquet garni thym persil frais. Et voilà, la pintade est prête pour aller au four. Dans un plateau profond, vaporisez l'huile végétale, étalez des légumes dans le rôtissoir avec céleri et navets. Ensuite, déposez la pintade sur le dos, poitrine vers le haut, recouvert du papier aluminium. Réchauffez le four à 225 degrés. Cuire la volaille pendant 1 heure et 30 minutes au four. Troisième étape. Pendant que la volaille est au four, je vais préparer une sauce pour accompagner la pintade. Dans un chaudron à feu doux, faire chauffer l'huile, sauter des tranches de tomates pendant 1 minute. Ensuite, ajoutez le foie de la pintade, des petites tranches gousses d'ail, bien mélangées. Ajoutez clous de girofle, poivre moulu, poudre cube poulet. Ajoutez un peu d'eau. Un bouquet garni, persil frais, thym, des tranches de navets, tranches d'oignon. Couvrez, laissez mijoter 20 minutes. Et voilà, la volaille est prête et bien rôtie. Pintade accompagnée avec sa sauce, salade, betterave, pommes de terre haïtienne et riz djon. J'espère que la recette, elle vous aura plu. Si vous aimez, like, partagez avec vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laissez-moi vos commentaires. Bye bye, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Mouah.